Coucou les copains et copines de Maya. Fabriquer un champignon pour lard à la coccinelle, ça vous tente? Alors on y va. Commençons par le chapeau du champignon. Prends une feuille de papier rouge et dessine, à l'aide d'une assiette à soupe et d'un crayon, un grand cercle sur la feuille. Découpe le cercle délicatement avec tes ciseaux. Pour déterminer le centre de la feuille, plions-la légèrement en quatre. Attention, ne plie pas trop fort afin que les plis ne se voient pas plus tard. Une fois le centre de la feuille trouvé, découpe avec tes ciseaux une ligne droite menant au centre du cercle. Prends la colle et applique-la sur le petit morceau restant de la découpe que tu viens d'effectuer. Plie la feuille de façon à ce qu'elle forme un chapeau et colle le morceau. Nous pouvons maintenant garnir le chapeau de petits pois blancs. Prends le coton et déchire-en quelques bouts. Roule les bouts de coton dans ta main pour en faire des boules. Utilise à nouveau ton bâtonnet de colle pour fixer les boules de coton sur ton chapeau rouge. Ajoutons un peu de gazon sous la tige du champignon. Prends une feuille de papier vert et dessine sous la feuille des brins d'herbe avec un crayon. Coupe de petits brins d'herbe à l'aide de ciseaux. Applique de la colle sur les brins d'herbe et place-les autour d'un rouleau de papier toilette. Applique de la colle sur le haut du rouleau et place le chapeau du champignon par-dessus. Et ton champignon est prêt! Waouh! Quel joli champignon! Et qu'il est doux! Lara est impatiente de s'amuser sur son champignon. Tu aimerais toi aussi décorer au complet la boîte de Maya et ses amis? Alors n'oublie pas de regarder le prochain épisode de la boîte à bricolage de Maya! Tu trouveras tout ce qu'il te faut en ligne. À la prochaine!